Parler du mésorectum, c'est aborder la cavité pelvienne, avec, sur une vue de face, l'hémi-bassin droit, caractérisé vers l'arrière par le sacrum, à la face antérieure duquel on trouve les trous sacrés antérieurs, l'articulation sacro-coccygienne et vers l'avant la ligne du détroit supérieur avec l'articulation sacro-iliaque, la grande échancrure sciatique, la petite échancrure sciatique et la tuberosité ischiatique. Ces formations vont être complétées par les ligaments, le petit ligament sacro-sciatique ou ligament sacro-spinal, le grand ligament sacro-sciatique ou ligament sacro-tubéral qui va venir sur la tuberosité ischiatique dessiner le repli falciforme du canal d'Alcock. C'est également évoqué les masses musculaires, le bord médial du psoas, puis le muscle piriforme inséré sur la face antérieure du sacrum sortant par la grande échancrure ischiatique, le muscle obturateur interne sortant lui par la petite échancrure sciatique. Ces structures vont être en rapport avec les formations nerveuses. Sur le bord médial du psoas, le trajet du nerf obturateur, plus en dedans, le trajet du tronc lombo-sacré qui va à la plante de la grande échancrure sciatique abandonner le nerf glutéal supérieur et qui rejoint maintenant par les racines S1, les racines S2 et S3 va donner naissance au grand nerf ischiatique, les racines S3 et S4 donnant naissance au nerf pudendal qui, à peine sorti de la grande échancrure sciatique, va repénétrer par la petite échancrure et venir assurer l'innervation du pelvis et du plancher périnéal. Les racines sacro-coccygiennes, enfin, qui vont donner naissance au nerf postérieur de Morestin, au nerf anal postérieur de Morestin. Devant le promontoire se situe le système végétatif sous la forme du plexus hypogastrique supérieur de Hovelac, plexus d'où vont se détacher vers l'avant les filets nerveux des nerfs hypogastriques destinés au plexus hypogastrique inférieur de Hovelac, tandis que la chaîne orthosympathique latéro-vertébrale sacrée va surcroissant les racines sacrées antérieures avec les renflements ganglionnés venir en regard du coccyx donner l'anastomose du ganglion de Walter et de cette chaîne ganglionnée qui va par ailleurs être rattachée aux racines rachidiennes par les rami communicantes vont se détacher des filets splanchniques destinés entre autres à la longe postérieure du rectum. Ces structures nerveuses vont maintenant être en relation avec les formations vasculaires et tout d'abord l'artère iliaque qui a abandonné l'artère iliaque externe et surtout l'artère iliaque interne, l'artère hypogastrique qui nous intéresse beaucoup plus, qui va elle-même abandonner l'artère glutéale supérieure, d'où se détache l'artère récurrente ilio-lombaire, d'où se détache également latéralement l'artère sacrée latérale, tandis que sur la face médiale du sacrum descend l'artère sacrée moyenne. Et puis, l'artère hypogastrique va abandonner vers l'avant le contingent pariétal, l'artère obturatrice, l'artère ombilico-vésicale, le contingent génito-vésical et va abandonner maintenant l'artère glutéale inférieure, le tronc ischiatico-pudendal qui lui aussi va sortir par la grande échancrure sciatique et qui, après avoir abandonné l'artère ischiatique, abandonnera l'artère pudendale qui repénètre à la partie inférieure. Nous sommes ici, bien sûr, en regard du plancher pelvien constitué par le muscle levator ani,
le releveur de l'anus, dont voilà le contingent postérieur. En dessous, nous sommes à l'aplomb du plancher périnéal. Ces veines, ces artères, vont être accompagnées, bien sûr, par les plexus veineux, très très richement anastomotiques, plexus veineux qui viennent au contact des éléments nerveux, mais les éléments nerveux végétatifs vont passer en dedans du contingent vasculaire artériel et veineux. Voilà, en quelque sorte, la toile de fond de l'espace latéro-pariétal qui mène à la zone fessière, quand j'aurai encore mis en place l'urtère qui, après la flexura marginalis de Schwalb, va maintenant dessiner sa concavité antérieure qui l'amène à s'aboucher à la face postérieure de la vessie. Lorsque on dissèque le mésorectum, voilà des rapports pariéto-latéraux qui méritaient d'être rappelés compte tenu de leur importance. Sur une vue latérale gauche de l'hémisacrum, avec la surface auriculaire, avec là encore les trous sacrés antérieurs, nous allons maintenant montrer l'ampoule rectale qui vient vers le bas dessiner la jonction recto-anale, le cap anal, et qui va se prolonger par le canal anal, ce dernier abouché à la peau par la ligne anocutanée de Hermann est entourée au niveau du plancher périnéal par le sphincter strié de la marge de l'anus. Ce sphincter strié est rattaché en arrière au raphé anocoxygien et rattaché vers l'avant au noyau fibreux central du périnée. Et vers le bas, bien sûr, nous retrouvons ce plancher pelvien de l'entonnoir du levator ani qui, tout autour de la jonction anorectane, dessine l'arc de l'aimer, l'arcade de renforcement de l'aimer. Sur ce dessin, nous allons également rappeler les racines nerveuses, le tronc lombo-sacré, avec les racines S1, S2 et S3, qui vont constituer le grand nerf sciatique, rabattu vers le dehors, à partir des racines S3 et S4, le nerf pudendal et en dessous S5 et les racines coccygiennes avec le nerf anal postérieur de Morestin. Sur le côté, la chaîne orthosympathique latéro-vertébrale qui est avec ses renflements ganglionnés précédemment évoqués, et nous allons maintenant mettre en place l'arrivée de l'artère rectale supérieure pour expliquer ce qu'est le véritable mésorectum au sens morphogénétique, au sens anatomique du terme. L'artère rectale supérieure, hémorroïdale supérieure, branche terminale de l'artère mésentérique inférieure, accompagnée bien sûr par son plexus veineux satellite, va être marquée par la réflexion du péritoine pariétal qui vient maintenant se prolonger par le péritoine viscéral et qui va entourer une partie de la portion haute de l'ampoule rectale. Ce péritoine viscéral va donc se prolonger maintenant par le péritoine pariétal que nous sectionnons de la sorte, ce péritoine pariétal plongeant pour sa part tout au pourtour du rectum et dessinant un nombre de cul-de-sac que nous allons préciser dans un instant. D'abord, sur les faces latérales de l'ampoule rectale, ici emballée par le péritoine viscéral, les cul-de-sac péritonéaux latéraux, ici gauche et là droit, les cul-de-sac péritonéal postérieur, rétro-rectal, et le cul-de-sac péritonéal antérieur, prérectal, le cul-de-sac recto-génital, qui plonge et qui est lui sous-tendu par la lame péritonéo-périnéale de Koelliker, le cul-de-sac rétro-rectal étant pour sa part sous-tendu par le fascia rétro-rectal, le fascia pré-sacré. Dans
cette région périrectale des cul-de-sacs péritonéaux, du véritable donc mésorectum, les cul-de-sacs vont être sous-tendus maintenant par une lame fibreuse qui est le feutrage du tissu sous-péritonéal au contact des éléments trophiques, des éléments vasculaires et des éléments nerveux. Cette lame vers le bas va, sur la ponévrose du levator ani, densifier celle-ci et constituer ce qu'on appelle encore l'arc endopelvien, le fascia pelvis, que certains avaient à tort appelé la ponévrose périnéale profonde. Ce fascia va être au contact des éléments vasculaires et tout d'abord de l'artère rectale moyenne, branche de l'artère hypogastrique qui va perforer cette cloison et qui est quelquefois grêle, des artères à destinée ventrale que sont les branches génito-vésicales que je ne précise pas sur ce premier schéma, avec bien sûr satellites de ces artères, les plexus veineux qui eux sont extrêmement denses vers l'avant formant le plexus pampiniforme, plexus veineux au milieu desquels siègent les ganglions relais lymphatiques, ceux-là même qu'il va falloir chercher, qu'il va falloir curer dans l'exploration chirurgicale du mésorectum. Et puis, bien sûr, dans cette portion latérale vont maintenant passer les filets nerveux issus d'une part de la chaîne orthosympathique latérovertébrale. Voilà quelques petits filets splanchniques directement destinés au rectum. Les filets nerveux qui descendent, comme nous l'avons montré tout à l'heure, du ganglion hypogastrique supérieur. Et puis, dans cette face latérale, va maintenant passer l'uretère dans sa portion pelvienne, uretère sur lequel vont venir s'embrocher les éléments nerveux, éléments orthosympathiques certes, mais maintenant à partir de S2, à partir de S3, à partir de S4, les éléments parasympathiques qui constituent le classique nerf érecteur Descartes, et l'ensemble vient au contact et embroché sur l'urtère de ce plexus hypogastrique inférieur de Hovelac, de ce ganglion de Lee et Frankenhauser, comme on l'appelle quelquefois. Ces éléments nerveux, comme je l'ai dit, vont passer en dedans des éléments artériels. Et voilà ce qu'est le véritable mésorectum chirurgical, sous-péritonéal bien sûr, celui qui est en contact latéralement avec ce que nous avons montré tout à l'heure sur le premier schéma de la vue pariétale, de la vue à destinée vutéale. Cette lame conjonctive laisse bien sûr en arrière, devant le sacrum, les éléments vasculaires de l'artère sacrée moyenne, latéralement les éléments de l'artère sacrée latérale. C'est l'espace rétrorectal, c'est l'espace qui est séparé de l'espace périrectal et qui communique avec l'espace pararectal, l'espace pelvis sous-péritonéal. Cette lame conjonctive, chez l'homme tout d'abord, va être marquée sur une même vue limitée de profil, avec le cap anal vers le bas et toujours la jonction anorectale autour de laquelle se dispose le sphincter strié de la marge de l'anus, avec toujours le muscle levator ani, le releveur de l'anus, qui ferme le plancher pelvien. Vers l'avant, le rectum, emballé par son péritoine viscéral, avec la réflexion du péritoine pariétal tout autour, va être en relation vers l'avant avec la loge prostatique. La prostate enserrant la base de la vessie, base postérieure de la vessie, dans laquelle vient s'aboucher l'urethère, ici l'urethère gauche, urethère au-dessus duquel est en train de passer la voie spermatique, représentée par le canal déférent qui va enfourcher l'urethère et qui va, plongeant en dedans de ce dernier, venir maintenant au contact des vésicules séminales, structure
qui sont relativement longues, qui sont fenêtrées là, et qui sont au contact direct de la face antérieure du rectum. Ces structures vont être cachées donc par la lame pelvi-sous-péritonéale, par la lame hypogastrique, par la lame vésico-prostato-rectale, ce feutrage conjonctif, dans lequel nous pouvons donc rappeler, venu de l'arrière, les structures nerveuses végétatives orthosympathiques, les structures nerveuses végétatives parasympathiques et le plexus hypogastrique inférieur qui est embroché sur l'uretère, qui est là. Nous pouvons aussi rappeler le pédicule vésico-génital sous la forme de l'artère vésiculo-déférentielle qui va ainsi remonter de l'artère vésico-prostatique vers le bas, ces artères étant là aussi avec leur formation plexiforme au contact des veines satellites et feutrant donc ce tissu conjonctif sous-péritonéal. Le fascia qui est là, conjonctif, lors de la dissection, il faut s'arrêter vers l'avant en regard de la ponévrose de Denonvillier, en regard de la limite de la loge génitale, de la loge prostatique et plus vers l'avant de la loge urinaire. Si l'on représente maintenant sur un même schéma partiel le rectum chez la femme, avec vers le bas toujours le cap anal, l'abouchement anocutané et le sphincter strié de la marge de l'anus. Chez la femme, comme chez l'homme, le plancher pelvien du muscle levator ani, et chez la femme, maintenant en avant de ce cap anal, le cul-de-sac vaginal qui vient tout autour de l'utérus que nous représentons ici par sa face latérale avec à sa corne les annexes qui sont les annexes tubaires et les annexes ligamentaires autour desquelles le péritoine va se réfléchir pour y dessiner le classique ligament large. Le péritoine est aussi en arrière avec les cul-de-sac latéraux rectaux, puis plonge dans le cul-de-sac génitorectal du cul-de-sac de Douglas, et bien sûr beaucoup plus à distance, voici la face postérieure de la vessie, dans laquelle, passant à 1,5 cm au-dessus du cul-de-sac latéro-vaginal, on voit l'uretère pelvien, et c'est donc au contact de ces structures que va se condenser la lame pelvie sous-péritonéale. Celle-ci, chez la femme, va être plus densifiée, avec quelquefois, à la dissection, quelques fibres musculaires lisses que l'on retrouve, qui viennent tout au voisinage de l'isthme utérin, qui dessinent ce que Delbey avait appelé le ligament cervical, le ligament du col de l'utérus, qui va se dirigeant vers l'avant et latéralement dans le paravagin, ici, dessiner le classique ligament de McEnroe, ce ne sont là que des noms différents du même épaississement pelvis sous-péritonéal qui glissait tout à l'heure là en arrière, là où chez la multipare, dans ce plan, l'ovaire qui peut basculer en situation rétro-urétérale vient occuper la fossette ovarique de Claudius. L'urétère est donc ici au contact des éléments vasculaires extrêmement important qu'est l'artère utérine qui va dessiner sa crosse de l'utérine, elle aussi à 1,5 cm du cul-de-sac latéro-vaginal avant de remonter sur la face latérale de l'utérus qui va abandonner les rameaux cervico-vaginaux, alors que voilà le départ de l'artère vaginale longue et que bien sûr vers le rectum et vers l'arrière se détacherait l'artère rectale moyenne, l'artère hémorroïdale moyenne. Ces vaisseaux sont là aussi, et encore plus que chez l'homme, accompagnés par les plexus veineux, pampiniformes, latéro-vaginaux, latéro-utérins, et comme chez l'homme, on voit donc arriver de la face postérieure, feutrant ce système de la lame sous-péritonéale, les filets ortho, les filets parasympathiques qui se dirigent vers ce ganglion de Lee et Frankenhauser, déjà cité, qui est ici sur l'âme fenêtrée de 4 ou 5 cm de long, sur l'urtère, et qui est en dedans par rapport aux éléments vasculaires. Si je représente sur une vue
postérieure. Nous sommes devant le sacrum. Voilà la portion crâniale et la face latérale gauche. Après une résection des os iliaques, dont on devine ici la limite du détroit supérieur, voilà la tranche de section des deux ailes iliaques, gauche et droite, avec la section des épines sciatiques et vers le bas la section des tubérosités ischiatiques, avec sur ces tubérosités les structures ligamentaires qui ont été sectionnées, le petit ligament sacro-sciatique, le ligament sacro-tubéral, le grand ligament sacro-sciatique dans ce plan, ici vers le bas, en dessous du ligament sacro-spinal, et puis les formations musculaires, le muscle iliopsoas à la partie haute, le muscle piriforme qui sort par la grande échancrure sciatique et qui est sectionné transversalement, le muscle obturateur interne qui est dans ce plan. Ces structures musculaires qui forment le cadre latéral de la fosse iliopelvienne permettent maintenant d'isoler au milieu le rectum, l'ampoule rectale dont la partie haute va maintenant se prolonger en direction du canal anal. Ce dernier abouché à la peau par la ligne anocutanée au milieu de la fosse ischio-rectale entourée par le sphincter strié de la marge de l'anus. C'est là que nous allons retrouver implanté sur l'obturateur interne le plan de l'entonnoir pelvien du muscle levator anii, du muscle releveur de l'anus qui vient autour de la jonction anorectale former cette densification de l'arc de l'Aimer, alors que le sphincter strié de la marge de l'anus serait marqué sur la ligne médiane par l'implantation du raphet anocoxygien vers l'arrière. Nous sommes ici en dessous, dans la graisse de la fosse ischio-rectale. Ces éléments vont être en rapport avec les nerfs que nous avons déjà cités, les nerfs obturateurs, bien sûr, les nerfs glutéo-supérieurs, et puis ici, les racines du volumineux nerf ischiatique, accompagné par le nerf pudendal, lequel va ressortir à la portion basse et rentrer dans la fosse ischio-rectale. Ces éléments sont en rapport avec les vaisseaux, à gauche avec l'artère hypogastrique, à droite avec l'artère iliaque externe et l'artère hypogastrique, l'artère hypogastrique abandonnant ici l'artère glutéale supérieure, abandonnant l'artère glutéale inférieure, qui va donner l'artère honteuse interne, le tronc pudendal, que l'on retrouve également de l'autre côté, et qui vient donner l'artère rectale inférieure, qui elle est constante et de gros calibre, et vascularise la portion basse de l'ampoule rectale. L'artère hypogastrique, qui continue à descendre, va maintenant abandonner l'artère rectale moyenne, qui est souvent grêle, qui est même quelquefois absente, et qui va, sur le côté, rejoindre maintenant la portion moyenne de l'ampoule rectale, dont la portion supérieure va dépendre de l'artère rectale supérieure, l'artère branche terminale de la mésentérique inférieure, qui donne ces trois branches terminales avec la collatérale gauche, avec l'artère azygos médiane du rectum et avec la collatérale droite. Il existe donc ici une portion moyenne du rectum qui n'est pas très très vascularisée. Si l'on dispose maintenant le péritoine viscéral va à la portion haute entourer l'ampoule rectale et constituer là le véritable mésorectum, comme nous l'avions expliqué tout à l'heure, avant que de se réfléchir pour se prolonger par le péritoine pariétal, latéral, droit et gauche, délimitant de chaque côté les cul-de-sac péritonéaux, que nous ombrons maintenant de la sorte, l'uretère pelvien étant esquissé au moment où, filant vers l'avant, il surcroise les gros vaisseaux. Et nous pouvons maintenant expliquer ce qu'est ce feutrage conjonctif de la lame hypogastrique, de la lame qui constitue le véritable mésorectum. Cette lame donnant au-dessus du releveur de l'anus l'arc endopelvien, le fascia pelvis, et isolant la loge périrectale, marquée par ce pointillé, de la loge pararectale,
de la loge pelvis sous-péritonéale, marquée par ces astérisques, loge qui communique d'ailleurs en profondeur avec la fosse glutéale. Bien sûr, c'est là-dedans que se trouvent les éléments veineux, satellites, c'est là-dedans que vont cheminer les éléments nerveux, en dedans des éléments vasculaires, qui sont donc les éléments les plus internes de ce feutrage conjonctif, éléments nerveux orthosympathiques, éléments nerveux parasympathiques de ce nerf érecteur Descartes. Sur les faces latérales, le feutrage conjonctif soulevé par l'artère rectale moyenne et ses veines satellites va dessiner ce que l'on appelle encore l'aileron latéral du rectum, que, en tirant sur le rectum, on va pouvoir tendre. Et c'est bien sûr dans l'épaisseur de ce mésorectum, en dehors des ganglions pararectaux immédiats, que se drainent les ganglions lymphatiques, que le curage ganglionnaire dans la carcinomatose pelvienne doit absolument rechercher au maximum. Si je pratique maintenant deux coupes horizontales, la première, grand A, passant par la portion haute de l'ampoule rectale avec vers l'arrière l'articulation sacro-iliaque, la face ventrale et le côté latéral gauche étant dans ce plan, le sacrum sectionné de la sorte avec les ailes iliaques latérales, avec dans la fosse iliaque interne le passage du muscle psoas iliaque, avec en regard de la chaîne le tronc lombo-sacré, avec le nerf obturateur, avec les racines sacrées qui vont sortir à la face antérieure du sacrum et qui vont entrer dans la constitution du plexus sacro-sciatique, avec l'espace pré-sacré, l'artère sacrée moyenne, les artères sacrées latérales, toutes accompagnées par leur pellicule veineux, le système de la chaîne orthosympathique latéro-vertébrale qui croise les racines sacrées, et c'est là que nous allons retrouver donc l'ampoule rectale dans sa portion haute. Cette dernière va être vascularisée par l'arrivée à sa face postérieure du pédicule hémorroïdal supérieur, l'artère et les veines satellites tributaires du territoire mésentérique inférieur. Là-bas, vers l'avant, sur le côté du rectum, apparaît l'uretère pelvien qui est en train de filer vers l'avant, qui a surcroisé latéralement les vaisseaux iliaques primitifs ou les vaisseaux iliaques externes et iliaques internes, avec bien sûr toujours leur satellite veineux. Le péritoine viscéral va se réfléchir autour du rectum, autour du pellicule trophique de la rectale supérieure, et va se prolonger alors par le péritoine pariétal, dessinant tout autour du rectum et dessinant là-bas vers l'avant le cloisonnement que l'on décrit dans le cul-de-sac recto-génital, destinant ce qui chez la femme correspond au cul-de-sac de Douglas, avec les cul-de-sacs péritonéaux antérieurs, latéraux et maintenant postérieurs, tels que nous les avons montrés tout à l'heure et tels qu'on les retrouve en regard de ces croix. Eh bien, c'est là, sur le côté, que filent les éléments nerveux, orthosympathiques. Certains gagnent directement la face postérieure du rectum. Les éléments nerveux, maintenant parasympathiques, qui vont, au contact de l'uretère, maintenant constituer ce ganglion hypogastrique inférieur de Hovelac et qui vont tisser donc ce feutrage conjonctif de la lame hypogastrique, délimitant l'espace qui va être l'espace pararectal par rapport à l'espace périrectal. Et si l'on pratique maintenant une deuxième coupe horizontale, passant grand B par la partie inférieure de la même cavité pelvienne, avec toujours vers l'arrière le sacrum, dans ce plan, avec, nous sommes à l'aplomb de la grande échancrure sciatique, la section de l'os, là-bas vers l'avant, dans le canal sacré, la portion basse des racines sacrées,
qui sont en train de sortir latéralement au contact du muscle piriforme, du muscle pyramidal du petit bassin, avec le petit ligament sacro-sciatique, le ligament sacro-spinal, avec l'émergence du muscle obturateur interne qui se réfléchit là en dessous, et bien sûr la sortie du grand nerf sciatique et du contingent pudendal. Nous allons retrouver en avant du sacrum l'artère sacrée moyenne, les artères sacrées latérales sur le côté avec toujours leur pédicule satellite. Et nous allons sur le côté maintenant voir l'artère hypogastrique qui est en train de donner l'artère ischiatico-pudendale qui sort par la grande échancrure sciatique et qui va abandonner à l'ampoule rectale qui est dans la loge postérieure ainsi sectionnée, qui va abandonner de chaque côté le pédicule rectal moyen, le pédicule hémorroïdal moyen dont j'ai évoqué la variabilité et quelquefois même l'absence. Vers l'avant, l'urtère est encore plus à distance là-bas et les éléments nerveux issus de la chaîne orthosympathique latéro-vertébrale qui filent toujours en direction du plexus hypogastrique avec les éléments parasympathiques en direction du ganglion de Frankenhauser et qui vont soulever, donc qui vont feutrer le tissu conjonctif qui latéralement donne l'aileron latéral du rectum qui quelquefois autour de certaines branches issues de la sacrée moyenne donne un aileron postérieur et nous nous retrouvons ici avec la lame rétro-rectale et ici en avant avec la lame qui chez l'homme correspond à l'aponéphrose prostato-rectale de Denonvier et chez la femme au ligament péritonéo-périnéal de Koelliker qui va sous-tendre le cul-de-sac de Douglas. Nous sommes ici avec toujours les ganglions lymphatiques, bien sûr, les éléments nerveux cités qui passent en dedans des éléments artériels et nous y retrouvons la loge périrectale par rapport à la loge pararectale par rapport à l'espace pelvis sous-péritonéal. Le mésorectum qui intéresse donc le chirurgien, c'est ce tissu conjonctif, celui qui sépare ces deux loges. Et bien sûr, lorsque le carcinome a envahi les loges latérales, il serait vain de vouloir y rechercher le nerf érecteur Descartes.